C'est une joie pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, ainsi que jeudi de la semaine prochaine, j'aimerais encore une fois vous parler de la fidélité dans le peu de choses que je suis vous a donné. Je sens que le Saint-Esprit me pousse à revenir sur cela. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais ils sont nombreux dans cette émission qui ont besoin d'entendre ces paroles, car lorsque le Saint-Esprit me pousse à répéter une chose que j'ai déjà dite à plusieurs reprises, ça veut dire qu'il y a des gens à qui je suis veux parler. Ce que je veux dire, c'est que les enfants de Dieu se perdent dans des choses spirituelles. Ils ne savent pas comment se conduire dans la vie de tous les jours. Il est important qu'on sache comment se protéger contre le péché. Il est important de savoir qu'il faut se repentir. Il est important qu'on sache quels sont les dons de l'esprit. Il est important de connaître les choses spirituelles. Mais il faut aussi qu'on sache comment vivre dans la société, dans la vie de tous les jours. La parole qui concerne l'épargne est nécessaire. C'est pourquoi elle revient souvent. J'aime beaucoup enseigner cela car je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne le comprennent pas. Un enfant de Dieu se dit qu'il a la foi et que tout ira bien. La foi ne peut pas t'empêcher d'avoir la sagesse. Comprenez bien qu'avoir la foi, c'est bien, mais la sagesse aussi est nécessaire. À vous tous qui me suivez, qui possédez des choses que Dieu vous a données, peut-être il y a un travail modeste, tu fais peut-être le commerce, je ne connais pas ta vie, mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu est en train d'observer ton attitude dans le peu de choses qu'il t'a donné. Beaucoup parmi ceux qui ont peu de choses ne le gèrent pas bien. Ici, je parle de ceux qui ont des choses, mais qui ne sont pas heureux de cela. Ils ne peuvent pas passer tout le mois à acheter ce dont ils ont besoin, à payer les besoins des enfants, à habiter dans la maison qu'ils veulent habiter. Tout cela fait en sorte qu'ils se sentent mal. Tu te retrouves en train de dire de mauvaises paroles, à te lamenter, à murmurer à cause de ton travail ou à cause de la vie que tu as. Tu te trouves en train de te lamenter contre ton commerce, mais tu ne devrais pas agir ainsi, car même dans ce peu de choses que tu as, c'est peut-être une école que Dieu t'a donnée. La situation que tu traverses maintenant est un test. Dieu veut voir ton attitude dans le peu de choses que tu as. Il est possible que Dieu ait préparé beaucoup pour toi, mais il veut voir ton attitude dans cette situation. Il y a une parabole que Jésus a donnée pour enseigner au sujet de la fidélité dans le peu de choses qu'on a. Lisez dans Matthieu 25, verset 23. On nous parle d'un homme qui avait des talents. Il les a distribués à ses serviteurs avant de partir. À son retour, il leur a demandé comment ils ont utilisé ça. Dans cette parabole, Jésus parlait de nous et de Dieu. Il parlait de comment on utilise les dons qu'il nous a donnés. J'aimerais vous dire que les dons ne sont pas seulement spirituels. Même l'argent que tu as, si tu as un travail, tu dois savoir que l'argent que tu gagnes, c'est un don de Dieu. Tout ce que tu as, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, c'est un don de Dieu, si bien sûr tu as eu cela dans le droit chemin. J'aimerais vous montrer ce qui est écrit au verset 23. À son retour, le maître a dit à son serviteur qui avait bien géré ce qu'il lui avait donné, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de chose, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous comprenez qu'il a été fidèle dans le peu de choses qu'il avait. Le Saint-Esprit me pousse à vous dire d'être fidèle dans le peu de choses que vous avez. Je vais continuer à en parler jeudi car je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka apprennent à être fidèles dans le peu de choses qu'ils ont. Que tu possèdes beaucoup ou peu, est-ce que tu es fidèle? Comment Dieu te voit dans ce qu'il t'a donné? Être fidèle se résume à deux choses. La première, c'est savoir épargner. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est savoir qu'il faut faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il faut que tu saches qu'il y a une personne pour qui tu peux faire quelque chose, même si c'est peu de choses, mais au moins que ça existe. Je le dis souvent dans cette émission. Même si c'est peu de choses, mais au moins, aide quelqu'un, bénis quelqu'un, fais quelque chose pour honorer Dieu dans le peu de choses que tu as. Si tu le fais, tu auras été fidèle dans le peu de choses que tu as, car si tu deviens fidèle dans le peu de choses que tu as, la parole de Dieu dit que tu auras beaucoup. Quand? Au temps de Dieu. J'ai besoin de répéter ça souvent, car pour certains, il est difficile qu'ils comprennent cela. Nous avons besoin de comprendre ça, car c'est ce que la parole de Dieu dit. Si Dieu le veut, jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à en parler pour qu'on arrive à un stade où Dieu peut nous dire que nous sommes de bons et fidèles serviteurs. Nous sommes
dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Ruth. Comme je l'ai déjà dit, je vais beaucoup insister sur le verset 3 du troisième chapitre, car il y a un enseignement puissant derrière. Ce sont trois choses que Naomi a dites à Ruth. Premièrement, elle lui a dit « Lave-toi ». J'ai comparé cela à la sanctification. Et deuxièmement, elle a dit « Oins-toi ». Et troisièmement, elle a dit « Remets tes habits ». Toi qui as une vie de prière, qui es sauvé, qui a accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que ces trois choses sont importantes dans ta vie. Un enfant de Dieu doit se nourrir de la parole de Dieu. Tu n'es pas censé passer toute une journée sans lire la parole de Dieu. C'est pourquoi Kangoka est diffusé tous les jours. Au début, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire que la plupart des enfants de Dieu écoutent la parole le dimanche uniquement. Les autres jours, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y en a qui ne lisent même pas la parole de Dieu au cours de la semaine. C'est pourquoi chaque jour, je donne un verset biblique et j'espère que vous pourrez alors le lire et qu'ainsi, une parole aura été plantée dans vos vies, une parole qui va nourrir vos âmes. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours, car la parole, c'est ce qui nous donne de quitter le mauvais chemin pour de bon. Il faut donc comprendre cela. Même si tu es sauvé, tu as besoin de la parole de Dieu. Elle est là pour te sanctifier, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 4, verset 5. Voici les trois choses que Naomi a dites à Ruth. Premièrement, elle lui a dit, lave-toi et oins-toi. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi tant que tu n'es pas lavé par la parole de Dieu. Elle lui a aussi dit de remettre les habits. Ceci me rappelle un verset qui se trouve dans Ésaïe 61, verset 3. J'ai déjà enseigné sur ce verset. Dans ce passage, on dit que Dieu donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Autrement dit, la louange remplace l'esprit abattu. C'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, dans la devise de Kangoka, il y a un point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Lorsqu'on a des problèmes et que malgré cela, on rend grâce à Dieu, on porte un vêtement de louange. Pourquoi un vêtement de louange? Parce que nous devons avoir une vie de louange tout le temps. Pour pouvoir avoir une action de grâce dans la vie de tous les jours, il faut porter son vêtement tous les jours. C'est pourquoi la devise de Kangoka dit qu'il est interdit de se lamenter. Lorsque tu te lamentes, c'est comme si tu ne portais rien. C'est comme si tu étais nu. Satan veut que les enfants de Dieu ne portent rien, qu'ils soient nus spirituellement. De la même façon que tu ne peux pas sortir de la maison sans porter des habits, tu ne dois pas non plus sortir de la maison sans action de grâce, sans louer Dieu. Les trois choses sont très importantes. Il faut que tu sois lavé par la parole. La deuxième chose, lorsque tu es lavé par la parole, l'onction du Saint-Esprit vient en toi. Tu es visité par le Saint-Esprit car c'est lui qui nous conduit et qui nous donne la force. Troisièmement, tu portes un vêtement de louange. L'action de grâce, la louange, c'est quelque chose de très important. L'action de grâce fait que là où se trouvait la tristesse, il y a la joie. Les trois choses sont vraiment nécessaires. À vous tous qui priez le matin, qui préparez la journée, ne sortez pas de la maison sans faire monter à Dieu votre action de grâce. Que dis-tu le matin lorsque tu te réveilles? Certains se réveillent le matin pour parler de leurs problèmes, pour se lamenter, pour désespérer. Mais même si tu as des problèmes, je ne dis pas que tu ne dois pas en parler. Sache que même si tu as des problèmes, la première chose que tu es censé faire dans la présence de Dieu, c'est la louange. Même si tu as beaucoup de problèmes, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Fais monter à Dieu ton action de grâce. Parle-lui de son amour. Parle-lui de sa puissance. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui que rien ne lui est impossible. C'est quelque chose de très important qui attire la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est la vie que je souhaite à chacun d'entre vous et à moi aussi. Nous devons avoir une vie d'action de grâce car notre Dieu n'a besoin de rien d'autre. Il est entouré par les louanges. Si maintenant on te conduisait au ciel, si Dieu t'ouvrait les yeux et que tu voyais ce qui se passe au ciel, il n'y a rien d'autre que les anges font maintenant. Il n'y a aucune autre conversation. Il n'y a aucun autre langage qui se trouve au ciel en ce moment. Si ce n'est que la louange, les anges sont en train de parler de la puissance de Dieu. Jean a eu la révélation de ça dans Apocalypse. Il a vu cela. Il a vu des milliers d'anges, une multitude, des myriades qui parlaient de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement Jean qui a vu cela. Des siècles avant que Jean ne vienne au monde, un prophète du nom d'Ésaïe avait aussi eu cette révélation. Dieu lui a ouvert les yeux et il lui a montré ce qui se passe au ciel. Il lui a montré que les anges ne font rien d'autre que louer Dieu. Nous aussi qui avons été sauvés, qui croyons en Dieu, nous devons marcher dans cette vie. Après avoir été lavés par la
la parole, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, ouvrons la bouche tous les jours pour rendre grâce à Dieu, qu'on le sente ou pas, qu'on le veuille ou pas. Nous n'avons pas besoin de le sentir pour le faire, mais quand tu portes un habit, tu le portes parce que tu ne peux pas sortir de ta maison nue. Ne sors pas de ta maison sans dire une action de grâce, sans parler à Dieu de sa puissance. Si je suis le veux, je continuerai cet enseignement demain. Passez une bonne journée et que je suis vous bénisse.